Hello fishers, c'est Manarilio, Manava et bienvenue sur Tahiti Pêche Exotique, la chaîne où on apprend à pêcher et on pêche ensemble. Alors aujourd'hui, session kayak, ça fait du bien de revenir sur les sensations de kayak, de beau matin et puis de prévoir une petite journée normalement avec peu de vent. On risque d'avoir un petit grain nuageux au milieu de journée. J'espère qu'on va pouvoir s'en passer quand même. Programme prévu aujourd'hui, micro jigging, on revient au fond d'un manteau, du slow jigging, du speed jigging à mon avis. Je pense que sur ce spot on va faire un peu de sabiki aussi. C'est vraiment l'endroit rêvé pour le sabiki. On va pouvoir le sortir je pense, pour pouvoir attraper la journée parce que c'est un spot qui est assez difficile à travailler et bon, si on n'a pas de chance, sabiki. Une valeur sûre quoi. On va voir tout ça dans cette vidéo et puis je vous dis ça à tout de suite. C'est lourd. Ne dis pas que j'ai ramené le toa. Bon, c'est bizarre. Bon, le sabiki a lié au fond. Je crois que j'ai tapé le fond. C'est lourd. C'est vraiment bizarre. Je suis en train de remonter. Ce rari. Ce bébé rari. Bébé Rari, et je peux pas te remettre à l'eau toi. Tu vas éclater copain. Bon. Bébé Rari, je peux plus le remettre à l'eau. Aïe 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 aïe, bon, tant pis. C'est hook-up. J'en étais sûr. Ah tiens tiens, c'est le sabiki. Cette mitraillette. Tiens tiens tiens. Joli. Oups. Mais non. Hop, release. Et voilà, petit release. Atchatcha. Petit atcha-tcha. Petit atcha-tcha. Où poisson les a. C'est poisson lézard à 80 mètres. Poisson lézard. Thank you.
Coca-Rong? Good. Il est fâché. Ah, enfin du cinéma là. Depuis tout à l'heure, on attend. Ça va, t'as de quoi quelque chose dans ta boîte. Et quand tu comptes pas, hein, tu sais pas à combien tu en es. C'est ça. Image sous-marine Pauro, j'attends Simon. Et on dit un requin, hein? Ah, ça va, sensation. Comme des tiaro. Elle me fait pas 45 minutes là. Si je lâche à côté, est-ce que ça va mon. Il remonte. Il est là un ouroat, ça. Tu es en train de te balader par derrière, là. Paya ça. Ah, dernière fois le col, il a eu un gros haut. Ah ouais. On est là en fait. Matavé. Matavé. Non. Non, Matavé. Matavé, c'est plus chaud. Matavé ou quoi? Où il est? Ah, ok. Ah, roué. Balèze, roué. Je ne vois plus. Tchapé. J'ai perdu lui. Oh putain, j'ai failli perdre ma GoPro. C'est roué. Te balade. Roy.
Tu as payé. Bon, rentre. C'est bon, je rentre. Il est balèze, hein. Nice. T'as vu la glacière. Hey, mon fish bag. Non, le fish bag. Putain. Faut que je le carreau d'abord. Alors, changement de stratégie. Après avoir fait le sabiki, avoir fait du dip. Du dip à 250 mètres. On va essayer d'aller chercher un target fish aujourd'hui là. Enfin du coup tout de suite. Target fish de ce moment, ça va être le doggy, le wow. Donc on met toutes nos chances de nos côtés, tous les copains. On est quatre copains. On essaie tous avec celle-là préférée de frapper le fameux thon à dents de chien. Et puis moi je suis parti sur un 60 grammes en slow. Pas forcément mon préféré, mais je pense que ça peut valoir le coup de passer en 60 grammes. Depuis tout à l'heure je pêche en 150, 120. C'est pas forcément la meilleure stratégie, je pense. Hein. C'était pas forcément la meilleure stratégie. Sabiki c'était pas mal, mais bon c'était que des petits pour ma part. Les copains ils ont tapé, c'est super, chacun fait son poisson. Et puis voilà, on va essayer ça. Allez, à toi. C'est là, tia tia. Ah ça va, ça réveille quoi. Comment ça va, c'est à taille assiette. C'est hook-up. Petit roi. Ok. Je le drague là, je le drague. Un peu l'eau. Trin caron. Caron, oh. Juste avant de partir. Ouais. Je suis en train de la vitesse, comme ça un mot au fond. Après, à même pas 10-15 mètres du fond, ça a tapé. Hein? J'étais à presque 200, pas? Ouais. C'est pas. Ruhi! C'est Ruhi! Hihi!
Doucement, copain, doucement. Petit Rui. Super. Voilà, petit résumé de cette pêche. On a fait pas mal d'essais. Sa bique qui a plutôt fonctionné, mais j'ai eu que des petits. Les copains ont eu pas mal de poissons avec des plumes plutôt que des sabiki. Il y a eu un matavai aujourd'hui, un beau roé-roé. Donc super, félicitations aux copains. J'ai pu faire au moins le roé-roé en vidéo. Le matavai, bon, j'étais un peu loin et j'étais un peu aussi, mon leur est un peu au fond. Et sur les trois dernières heures, je crois, ou trois ou quatre dernières heures, zéro activité. Mais ça n'empêche pas que... Putain. Faut que je le remonte. J'ai encore tapé les coraux. Il y a plein de coraux là. J'ai encore deux, tapé deux fois les coraux. On va éviter de perdre son leurre tout de suite. Hein. Je crois que j'ai déjà perdu quelque chose ici. Et bon, c'est pas rigolo quoi. Plus de peur que de mal. Donc ouais, on est assez moyenne, pas assez moyenne en général. Hein. Mais sinon on a pu faire du poisson, j'ai pu faire quelques prises. Prise vidéo, prise en fiche. Et puis voilà, la stratégie a pas tout à fait payé, mais en fait si. Si, il y a des coins où on connaît pas mal, donc on a bien appliqué ce qu'il fallait. Et puis, voilà, c'est ça en fait la pêche. Hein. C'est toujours le mystère, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et puis voilà. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur ces mots. Allez, salut Fischer.